Eh bien, je suis maintenant au niveau 70, avec le stuff qu'on achète à les points d'arène pas cher. Et je ne suis plus un super sauveur. C'est terminé. Maintenant, je suis un exorciste. Je suis Paul l'exorciste. J'utilise la puissance divine, la puissance sacrée pour exorciser les méchants. En voyant aussi un méchant élémentrine, voilà. Eh bien, je l'exorciste. Exorcisme! On finit sur un petit coulou. Et voilà. Exorcisme. Essaye de mourir, ça ils y arrivent souvent. Ils sont très forts pour ça. Voilà, je pète la bulle pour exorciser tout en douceur. On se casse parce qu'ils sont quand même beaucoup. Ouh! Vous pouvez constater ici une créature du mal, une créature diabolique qui mérite d'être exorcisé. Et voici ici un paladin déchu qui a sombré dans le côté malsain et malhonnête et qui va se faire exorciser la gueule. Je t'exorcise devant toi et tu me kick. Ah si putain t'as pas envie de ça. J'avais oublié ce détail malencontreux qui va retarder ton exorcisme. Putain c'est chiant, ils sont durs à exorciser ces gens-là. Ils veulent pas mourir ou quoi? On s'en rend compte qu'à la dernière minute. Subis la puissance du sacré! Fameux disciple de l'enfer que nous allons devoir donc nous-mêmes nous occuper. Merde, je suis... Oh, putain. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point ils sont fourbes, jusqu'où peut aller le vice, hein. C'est violent, c'est une telle folie. Et c'est là que j'interviens, quoi. Et j'utilise un peu tout ce qui est dans mon pouvoir pour les aider, les sortir de leur misère. Voilà. Essayez, regardez, regardez. Tout c'est triste. Le petit se fait défoncer. Leur redonner un peu d'espoir dans ce monde quoi. De déchéance. J'ai pris paladin exactement justement pour pouvoir aider un peu toute cette corruption, hein, de l'âme quoi, de regardez, hop, puissance divine, tu peux pas tout, fuite divine.
Ah, il faut savoir se dégager du combat au bon moment. C'est une des clés de l'art du paladin. Regardez, regardez comme ils s'accrochent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils pensent que ça va aboutir à quelque chose, à peut-être éventuellement... Merde, j'avais pas prévu ça. Ça faudrait peut-être que tu me tapes pour me tuer. Hein. Ils ne savent même plus comment attaquer les gens. Non, c'est un tel échec. Échec de vie, échec de... C'est dur. Hein. Comme vous voyez, c'est très dur pour eux, quoi. J'ai pas de trinket toujours, mais il a combien de CD mon trinket? Il était pas là. Encore un des fardeaux de Dieu mis sur ma route. Ma noble route, mon noble passage. Le chemin vers la divinité. Vers l'illumination. Oh putain, il a foncé dans le tas. C'est Winnet. Boum boum. Bon voilà. Vous pouvez constater. La puissance du sacré. Tiens. Et, la victoire est totale. Où es-tu? Noble druide, ta sagesse nous est requise. Eh bien si en fait les paladins... Oh mais il y a un en plus. Et voilà. Et cette chose immonde. Ah, ok. Même les gnomes, eux au moins ont la peau de couleur normale quoi. Pas vert. Là c'était ce petit être infâme, difforme. Regardez-moi cette déchéance. Dieu va reprendre ton âme bientôt, créature du mal. Allez, regardez-moi. Paix à ton être corrompu. Ah, soleil, éclaire mon chemin. Montre-moi sur la map le drapeau bleu. Bon. Quelle vitesse. Mais ça, c'est le désespoir qui anime son être. Et toi aussi. Ah si, réagis quand même, c'est bien. C'est pas l'enfer qui voit une telle créature, qu'est-ce donc? Je vous le demande. Que ton âme repose enfin dans la paix éternelle. Que tu puisses enfin trouver le repos tant mérité. D'une longue vie... Exorcisme! Oh, sans deux hymnes. J'aime pouvoir exorciser toute cette corruption. Je te dispense de ces douleurs qui t'entravent. Allez, moi. Comment ça se fait? Je te permets de retourner dans le néant éternel
la solitude et la convalescence. Non, vous ne me tuerez point. Ah quoi, qu'avec un coup de silence, y a moyen. Hein. Que ma colère divine vous juge. Manant. Que les tourments se repentent sur votre âme. Exorcisme, il en est fini de toi, impur. Tiens, rejeton de l'infernal. Ah, il avait le flag. Putain, t'es trop potéqué. Ah putain, ouais, mais c'est à force de dire des conneries, on fait pas gaffe à ce qui se passe. C'est pas grave. Prends ça dans la gueule. Connard de démon. C'est fini la politesse. C'est fini. Il est temps pour une nouvelle ère. L'ère du lag. Ah regardez, il est là-bas. C'est vrai que là, ils essayent vraiment de mettre un point. Regardez. Regarde là. T'as vu quand il court là? Tic 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 tic. Juste lui mettre un petit jugement pour le ralentir. Hop. Ça marche bien. Hein. C'est bien ça. C'est bien l'aspect du guépard, hein. Reste dedans. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il y a un mec qui a pris le flag, tiens. Je vais savoir ça. Tiens, je vais te soigner. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, hein? C'est toi, tu récupères le drapeau. Tu mérites un tel. Pas cool ça. Eh hey. Qui te permet bike pédaleur? Ah bah non, t'es fait défoncer toi. Hein. Ah, tu réfléchis. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Tu veux taper le pôle? Tu veux taper le pôle? Oh. Regardez-moi ce déplacement. Magnifique. Corruption. Regardez-moi ce... Il va aller jusqu'en Australie comme ça. Il revient. Putain. C'est génial quoi. On a récupéré pour en gagner. Et voilà. Number one, on constate bien sûr, tout représentant du clergé se doit d'être number one en heal. C'est dans les pactes hein, pour être digne de son titre.